voulait être riche. He wanted to be rich. Dis toujours la vérité. Always tell the truth. En vérité, tu as raison. Actually, you're right. Je passe avant toi. I outrank you. Je passe du bon temps. I am living the good life. Passe du bon temps. Have a nice time. Passe quand tu veux. Come whenever you want. Quelque chose se passe ici. Something is going on here. Où se trouve ta fille? Where's your daughter? Je suis moins heureux maintenant. I'm not as happy now. Vous devriez rester au lit. You should stay in bed. Comment va ta soeur? How is your sister? Ma soeur a un travail. My sister has a job. Nous sommes frères et sœurs. We're brother and sister. Où est votre soeur? Where's your sister? Cette lettre est pour toi. This letter is for you. Je voudrais être mort. I wish I was dead. Le chien est comme mort. The dog is as good as dead. Tout le monde est mort. Everyone's dead. Je me sens jeune. I feel young. Je pensais être trop jeune. I thought I was too young. Sa sœur semble jeune. His sister looks young. Tu es encore jeune. You're still green. Tu es jeune et fort. You're young and strong. Elle ignore encore la vérité. She doesn't yet know the truth. Elle est sur mon bureau. It's on my desk. Il est à son bureau. He is at his office. Il est au bureau. He is at the office. Où va ce bureau? Where does this desk go? Viens à mon bureau. Come to my office. Cela doit être difficile. That must be hard. Il doit rester au lit. He has to stay in bed. On doit faire ça bien. We need to do this right. Personne ne doit savoir. Nobody must know. Un homme doit travailler. A man must work. Cette pièce est assez grande. This room is large enough. Je suis très grande. I am very tall. Quelle grande maison vous avez? What a big house you have. Tu es plus grande qu'elle. You are taller than she is. Tu es très grande. You are very tall. Elle adore ses enfants. She loves her children. Je vous adore toutes. I love all of you. Tout le monde adore ça. Everybody loves it. Bonne journée à toi. Enjoy your day. Passe une bonne journée. Have a nice day. Vous savez où me trouver. You know where to find me. Elle veut sortir avec lui. She wants to go out with him. Je devrais sortir. I should head out. Je veux sortir ce soir. I want to go out tonight. Vous ne pouvez pas sortir. You can't go out. À qui est ce téléphone? Whose phone is that? Il lui téléphone chaque soir. He calls her up every night. On vous demande au téléphone. You're wanted on the telephone. Où est mon téléphone? Where's my phone? Ce café est bien fort. This coffee is quite strong. Du café, je te prie. Coffee, please. Il adore le café. Il loves coffee. Je sens le café. I smell coffee. Ces livres sont à moi. Those are my books. Ils ont peu de livres. They have few books. On adore lire des livres. We enjoy reading books. Tu as quelques livres. You have some books. Il m'a pris la main. He caught hold of my hand. Veuillez faire mon lit. Please make my bed. Veuillez le dire en anglais. Please say it in English. Veuillez lire ce livre. Please read that book. Veuillez parler plus fort. Please speak more loudly. Veuillez trouver où il est. Please find out where he is. Ça voulait dire non. That meant no. Il voulait acheter un livre. He wanted to buy a book. Elle a dix enfants. She has ten children. Il est presque dix heures. It is almost 10 o'clock. Il est tellement jeune. He is so young. Je me sens tellement perdu. I just feel so lost. Nous pouvons faire tellement plus. We can do so much more. Tu étais tellement fort. You were so strong. Vous êtes tellement difficile. You're so picky. Elle a une petite maison. She has a small house. Je suis une petite enfant. I'm a little child. Ma chambre est trop petite. My bedroom is too small. Il y a notre bus. There's our bus. Le bus arrive. Here comes the bus. Où va ce bus? Where does that bus go? Je connais cette histoire. I know that story. Quelle est leur histoire? What's their story? Il m'a fait attendre longtemps. He kept me waiting for a long time. Il nous faut attendre. We must wait. Je peux attendre quelques heures. I can wait a few hours. Je sais quoi attendre. I know what to watch for. Ne me faites pas attendre. Don't keep me waiting. Je veux en entendre davantage. I want to hear more. Personne ne peut nous entendre. No one can hear us. Où sont les trois autres? Where are the other three? Je connais sa famille. I know his family. Je veux une famille. I want a family. Pensez à votre famille. Think of your family. Sa famille est très grande. Her family is very large. Toute ma famille va bien. My family are all well. Nous avons un accord. We have an agreement. Un accord est un accord. A deal is a deal. Je ne fais que passer. I just dropped in. Je vais passer chez toi. I'll come to your place. Tout semble se passer bien. Everything appears to be going well. Tout va bien se passer. Anything will be fine. Elle me l'a donné. She gave it to me. Qui t'a donné ça? Who gave you this? Il nous reste trois jours. We have three days left. il reste avec sa famille. he is staying with his relatives. où est le reste where is the rest que cela reste entre nous. that should be kept between us. reste dans ta chambre. stay in your room. allez aider votre frère. go and help your brother. Allez au lit. Get to bed. Allez chez vous, maintenant. Go home now. Allez, tu peux le faire. Come on, you can do it. Vous allez mieux maintenant? Are you better now? Nous devons parler de ceci. We have to talk about this. Nous devons partir tôt. We must leave early. Tu vas mieux maintenant? Are you better now? Cette partie est tellement difficile. This game is so hard. Je suis parti. I left. Nous avons perdu la partie. We lost the game. Tu en fais partie. You're part of this. Vous faites partie du problème. You're part of the problem. Allons au lit. Let's go to bed. Allons dans mon bureau. Let's go in my office. Allons le dire aux autres. Let's go tell the others. Nous allons beaucoup mieux. We're getting a lot better. Nous allons travailler ce soir. We are going to work tonight. Elle doit être très heureuse. She must be very happy. Il semble qu'elle soit heureuse. It seems that she's happy. Je veux te rendre heureuse. I want to make you happy. Tu étais heureuse. You were happy. Bien sûr, je comprends. Of course, I understand. Tu me comprends très bien. You understand me very well. Tu ne comprends pas, si? You don't get it, do you? Maintenant laissez-nous. Now leave us. Ne me laissez pas là. Don't leave me here. Il sera occupé demain. He will be busy tomorrow. Je suis vraiment très occupé. I really am very busy. Mon père était occupé. My father was busy. Tu es fort occupé. You're very busy. Vous avez été occupé, non? You've been busy, haven't you? Je me marie cette année. I'm getting married this year. Je devrais apprendre le français. I should learn French. Il a trois fils. He has three children. Il avait trois fils. He had three sons. Je connais ton fils. I know your son. "nous sommes ses fils." "we are his sons." "où est mon fils?" "where is my son?" "il est venu chez moi." "he called at my house." "il est venu en bus." "he came by bus." "je suis venu ici hier." "i came here yesterday." "qui est venu?" Who came? Tu es venu trop tard. You came too late. Alors, quel est votre problème? Then what's your problem? Ce sera alors trop tard. It'll be too late then. Si pas maintenant, alors quand? If not now, then when? Elle veut vivre en ville. She wants to live in the city. Il ne doit pas vivre. He must not live. Je fais ça pour vivre. I do this for a living. Je veux venir vivre ici. I want to come and live here. Nous pouvons vivre avec ça. We can live with that. Tu serais mieux sans moi. You'd be better off without me. Vous devez attendre un moment. You must wait a while. Vous devez venir avec moi. You have to come with me. Nous devrions attendre un peu. We should wait a little. Nous devrions faire mieux. We ought to do better. Il a en son pouvoir. He is her under his thumb. Je savais pouvoir le faire. I knew I could do it. Mon travail est presque fini. My work is almost finished. Nous avons fini de déjeuner. We have finished lunch. Tout est fini entre nous. It's all over between us. Tout était fini. It was all done. Tu en as fini. You're true. Ce garçon est mon fils. This boy is my son. Je connais ce garçon. I know the boy. Que dit le garçon? What did the boy say? Quel grand garçon. What a big boy he is. Soyez un bon garçon. Be a good boy. Il avait pris une photo. He took a picture. Qui a fait la photo? Who took the picture? Il a perdu la vue. He lost his eyesight. Je vous ai vu hier. I saw you yesterday. Nous vous avons vu. We saw you. Je connais ces personnes. I know these people. Il a tout mangé. He ate all of it. Il sait lire et écrire. He can read and write. Je vais écrire une lettre. I am going to write a letter. Veuillez écrire votre nom ici. Please write your name here. Je les déteste toutes. I dislike all of them. Le lit était trop dur. The bed was too hard. Tout est dur. Everything is tough. Tu devrais travailler dur. You should work hard. Tu es dur. You're tough. Vous êtes dur. You're tough. Il me faut encore essayer. I still have to try. Je vais essayer plus fort. I'll try harder. Nous pouvons essayer. We can try. Tu devrais essayer. You should try it. Vous devez essayer à nouveau. You have to try again. Il fait très mauvais. The weather is very bad. Ils sont tous mauvais. They're all bad. Je ne suis pas mauvais. I'm not evil. Le temps est mauvais, non? The weather's bad, isn't it? Tu es un être mauvais. You are a bad person. Elle doit être en colère. She must be angry. Elle lui écrit chaque semaine. She writes to him every week. Il a écrit deux livres. He has written two books. Qui a écrit ça? Who wrote that? Tout a été écrit. It's all been written. Je ne vois aucun problème. I don't see any problem. Cela devrait me rendre heureuse. That should make you happy. Elle devrait aider sa mère. She should help her mother. Il devrait être en colère. He should be angry. On devrait sortir. We should hang out. Tout le monde devrait partir. Everyone should go. Ceci est pour mon ami. This is for my friend. Je suis chez une amie. I'm at a friend's house. Je suis toujours ton ami. I'm still your friend. Qui est ta petite amie? Who's your girlfriend? Tu as été mon ami. You were my friend. Je ferais mieux de sortir. I would rather go out. Tu ferais mieux de venir. You'd better come. Allons déjeuner ensemble. Let's go to lunch together. Ils étaient tellement heureux ensemble. They were so happy together. Nous avons mangé ensemble. We ate together. Nous devrions davantage sortir ensemble. We should hang out more. Vous devez travailler ensemble. You need to work together. Il fut mon meilleur ami. He was my best friend. Je suis meilleur que toi. I am better than you. Je voulais le meilleur. I wanted the best. Tu es le meilleur. You're the greatest. Vous êtes meilleur que moi. You're better than me. Je me sens vieux. I feel old. Mes parents sont vieux. My parents are old. Nous sommes de vieux amis. We're old friends. Nous sommes vieux amis. We're friends from way back. Tu es le plus vieux. You're the oldest. Allons lui demander. Let's ask him. Je devrais demander, non? I should ask, shouldn't I? Que demander de plus? What more could one ask for? Tu dois me le demander. You have to ask me for it. Ça serait une bonne idée. That would be a good idea. Ce serait dur. That would be hard. Il ne nous apprécie pas. He does not like us. Je vous apprécie vraiment beaucoup. I really like you a lot. Tout le monde les apprécie. Everyone likes them. Je peux comprendre ça. I can understand that. Je veux comprendre ceci. I want to figure this out. Nous avons pu nous comprendre. We could understand each other. Il te faut travailler vite. You need to work fast. Mon frère parle très vite. My brother speaks very fast. Nous devons le faire vite. We must do it quickly. Tout se passe trop vite. Everything's happening too quickly. Viens vite ici. Come here quickly. Nous devons arrêter les autres. We must stop the others. Nous ne pouvons pas arrêter. We can't give up. Pourquoi ne pas simplement arrêter? Why not just quit? Tu dois arrêter ça maintenant. You've got to stop this now. Vous devriez arrêter de jouer. You should quit gambling. Je comprends à peu près. I sort of understand. Ça semble facile. It sounds easy Ce livre me semble facile. This book seems easy to me. Elle est facile à vivre. She is easy going. Le reste sera facile. The rest will be easy. Trouver son bureau fut facile. finding his office was easy. Bonne chance à vous deux. Good luck to both of you. Je veux une autre chance. I want another chance. Tu as de la chance. You're fortunate. Tu as encore une chance. You still have a chance. Prends ce que tu veux. Take anything you want. Prends du café. Have some coffee. Prends ma main. Take my hand. Prends quelque chose à manger. Have something to eat. Prends une photo. Take a picture. Dis celui que tu aimerais. Say what you would like. Prends celui que tu veux. Take whichever one you want. Cela pourrait prendre quelques mois. That could take a few months. Il vous reste trois mois. You've got three months left. Veuillez me donner la lettre. Please give me the letter. Il est toujours prêt. He is always prepared. Je me sens prêt. I feel ready. Le déjeuner est presque prêt. Dinner is almost ready. Le déjeuner est prêt. Lunch is on. Tout est prêt. Everything's ready. Je suis à ta merci. I'm at your mercy. Je suis à votre merci. I'm at your mercy. Merci beaucoup pour ta lettre. Thank you very much for your letter. Merci de venir. Thanks for coming. Merci pour le café. Thanks for the cup of coffee. Cela importe beaucoup. It matters a lot. Elle semble être vraiment malade. She seems to be very ill. Il doit avoir été malade. He must have been ill. Je me sens comme malade. I feel kind of sick. Je suis tellement malade. I am so sick. Ma fille est souvent malade. My daughter is often sick. Je dois avoir oublié. I must have forgotten. Nous avons oublié. We forgot. Son nom fut oublié. His name was forgotten. Tu as déjà oublié. You've already forgotten. Je dis seulement la vérité. I'm only telling the truth. Je voulais seulement vous parler. I just wanted to talk to you. Je vais à cet endroit. I am going to that place. Tu es au bon endroit. You're in the right place. Nous sommes du même âge. We are the same age. Quel âge est ton frère? How old is your brother? Ce fut notre erreur. That was our mistake. Faire cela serait une erreur. Doing that would be a mistake. Je ne fais pas erreur. I'm not mistaken. Tu as fait une erreur. You made an error. Elle est en réunion. She's at a meeting. Ils ont eu une réunion. They had a meeting. Ce café est froid. This coffee is cold. Il va faire assez froid. It is going to be quite cold. Les enfants ont froid. The children are cold. Ce sont nos livres. Those are our books. Tu es en premier. You're first. Vous pourriez arrêter ceci. You could stop this. Vous pourriez essayer ça. You might try that. Il ne reste aucune nourriture. There's no food left. Merci pour la nourriture. Thanks for the food. Elle est belle, comme toujours. She is as beautiful as ever. Il a une belle fille. He has a beautiful daughter. Je ne suis pas belle. I'm not good looking. Quelle belle journée. What a lovely day it is. Vous êtes très belle. You're very beautiful. En aucune manière. No way. Il m'a laissé partir. He let me go. Je serai occupé demain. I'll be busy tomorrow. Il nous faut une réponse. We need an answer. Je connais la réponse. I know the answer. Leur réponse est non. Their answer is no. Il peut nager vite. He can swim fast. Il veut apprendre à nager. He wants to learn to swim. Je vais nager chaque jour. I'm going to swim every day. Tu veux aller nager? Do you want to go for a swim? Vous pouvez nager. You may swim. Cela me donne une idée. That gives me an idea. Je donne mes vieux livres. I'm giving my old books away. Elle travaille nuit et jour. She is working night and day. Il travaille toujours dur. He always works hard. Je travaille le matin. I work in the morning. Mon père travaille ici. My father works here. Personne ne travaille plus là. No one works there anymore. Ça devrait être ainsi. It should be like this. Comment vivre ainsi? How do you live like this? Il doit en être ainsi. That must be so. Je ne travaille pas ainsi. I don't work like that. Tu aurais dû ainsi faire. You should have done so. Je voulais seulement vous regarder. I just wanted to look at you. Tu peux regarder maintenant. You can look now. Je vous envie beaucoup. I envy you so much. Je le suppose. I assume so. Je suppose que ça passe. I guess that's okay. Je voudrais avoir un chat. I'd like to have a cat. Mon chat est heureux. My cat is happy. Où se trouve le chat? Where is the cat? Allons voir un film. Let's go to a movie. Ce film est pour enfants. That film is for children. Ce film fait vraiment peur. This movie is really scary. Je vais faire un feu. I'm going to build a fire. La maison a pris feu. The house caught fire. Ta voiture est en feu. Your car's on fire. Apprendre ou à laisser. Take it or leave it. Vous devez me laisser aider. You have to let me help. Je ne peux boire davantage. I can't drink anymore. Le jeune homme veut boire. The young guy wants to drink. Prends quelque chose à boire. Have something to drink. Tu dois arrêter de boire. You must quit drinking. Vous devriez arrêter de boire. You should stop drinking. Il est fatigué de lire. He got tired of reading. Je me sens comme fatigué. I feel kind of tired. Je suis fatigué. I am tired. Mon père est très fatigué. My father is very tired. Tu étais fatigué hier soir. Were you tired last night? Ce mot a deux sens. This word has two meanings. Ne dites mot à personne. Don't say a word to anyone. Pas un mot. Don't say a word. Je sais exactement quoi faire. I know exactly what to do. Je lui fais confiance. I trust her. Ne lui fais pas confiance. Don't believe him. Ne lui faites pas confiance. Don't trust him. On peut leur faire confiance. You can trust them. On peut me faire confiance. I'm trustworthy. Allons par ce chemin. Let's go this way. Je suis en chemin. I'm on my way. Tu es sur mon chemin. You are in my way. Elle porte une belle montre. She is wearing a nice watch. Montre le chemin. Lead the way. Le dernier est le meilleur. The last one is the best. La maison est plus loin. The house is farther on. Reste loin de ça. Stay away from that. Tu es allé trop loin. You've gone too far. Quel coup de chance. What a stroke of luck. Ceci est le Japon. This is Japan. Je voudrais aller au Japon. I would like to go to Japan. Pourquoi elle fait la tête? Why is she sulking? Aller voir un médecin. Go see a doctor. Je suis médecin maintenant. I'm a doctor now. Notre meilleur ami est médecin. Our best friend is a doctor. Tu devrais voir le médecin. You had better see the doctor. Vous êtes médecin. You are a doctor. Vos amis sont en bas. Your friends are downstairs. Elle a essayé. She tried. Nous avons déjà essayé cela. We already tried that. Tu as essayé. You tried. Vous avez essayé. You've tried. Je vais voir la police. I'm going to the police. Je suis contre. I'm against it. La chance est contre moi. Luck is against me. Elle a beaucoup parlé. She talked a lot. Ils ont tous parlé. They all talked. Je lui ai parlé hier. I spoke to him yesterday. Nous avons parlé au téléphone. We talked on the telephone. Qui a parlé? Who spoke? Demande à quiconque. Ask anyone. Il est mieux que quiconque. He is better than anyone else. Ne le dites à quiconque. Don't tell anybody. Quiconque a vu. Anybody see you? Ceci est votre pays. This is your country. On adore notre pays. We love our country. Fais ton boulot. Do your job. Je veux ce boulot. I want that job. Le boulot était vraiment dur. The job was really tough. Ton boulot est fini? Are you through with your work? Trouve un boulot. Get a job. Si seulement je pouvais. I wish I could. Je dois bientôt partir. I've got to leave soon. Je vais bientôt être parti. I'm going to be gone soon. Le déjeuner sera bientôt prêt. Lunch will be ready soon. Nous y sommes bientôt. We're almost there. Vous devriez faire ça bientôt. You should do that soon. Il y a une table. There's a table. Je peux mettre la table. May I set the table? Elle est professeur. She's a professor. Il sera un bon professeur. He will be a good teacher. Je serai ton professeur. I'll be your teacher. Ma mère est professeur. ⁇ My mother is a teacher. ⁇ Tu es la professeure. ⁇ You're the teacher. ⁇ Je demande juste quelques minutes. ⁇ A few minutes is all I ask. ⁇ Ce voyage était ton idée. ⁇ This trip was your idea. ⁇ Elle est partie en voyage. ⁇ She's gone on a trip. ⁇ Faites bon voyage. Have a safe journey. Faites un bon voyage. Have a nice trip. Je voyage souvent. I often travel. Elle vit dans le pays. She lives in the country. Il vit avec ses parents. He lives with his parents. Ma mère vit seule. My mother lives by herself. Personne ne le vit venir. Nobody saw it coming. Personne ne me vit. No one saw me. Elles ont tant perdu. They've lost so much. Il y en a tant. There are so many. Je te dois tant. I owe you so much. Ça vient de sortir. It just came out. Elle vient juste de partir. She just left. Il vient à midi. He comes at noon. Personne ne vient jamais ici. No one ever comes here. Qui ne vient pas Who's not coming? Je suis tellement désolé. I'm so sorry. Ne soyez pas désolé. Don't be sorry. Je te dois un dîner. I owe you a dinner. Le dîner sera bientôt prêt. Dinner will be ready soon. Merci pour le dîner. Thanks for dinner. Nous avons fini de dîner. We have finished lunch. Qui vient dîner Who's coming for dinner Il adore la musique. He loves music. Nous avons parlé de musique. We talked about music. Pas de vie sans musique. No music, no life. Elle va apprendre à conduire. She's going to learn how to drive. Il sait conduire une voiture. He can drive a car. Je peux te conduire. I can drive you. Chaque homme a son prix. Every man has his price. Quel est ton meilleur prix? What's your best price? Il l'a probablement oublié. He probably forgot about it. Il va probablement venir. He is likely to come. Je devrais probablement écrire ceci. I should probably be writing this down. Nous devrions probablement y aller. We should probably go. Tu savais probablement déjà ça. You probably already knew that. Ce fut fort beau. It was very beautiful. Il est vraiment beau. He's really good looking. Je dois me faire beau. I have to dress up. Je ne suis pas beau. I'm not good looking. Quel beau temps. What beautiful weather. Ça vous arrive de dormir? Do you ever sleep? Elle apprécie de dormir. She likes sleeping. Je ne pouvais dormir. I couldn't sleep. Nous devrions aller dormir. We should go to sleep. On peut dormir un peu? Can we get some sleep? Il m'a appris à conduire. He taught me how to drive. Nous avons aussi beaucoup appris. We've learned a lot too. Je voudrais étudier le français. I'd like to study French. Nous devrions étudier ensemble. We should study together. Tu devrais étudier davantage. You should study harder. Tu dois davantage étudier. You must study more. Attention à la voiture. Watch out for the car. Faites attention avec cette chose. Be careful with that thing. Merci pour votre attention. Thank you for your interest. Tu aurais dû faire attention. You should have paid attention. Vous devez faire plus attention. You need to be more careful cela aurait du sang. _that would make sense._ il aurait dû travailler davantage. _he should have worked harder._ on aurait pu faire mieux. _we could have done better._ il l'a fait auparavant. _he has done it before._ nous avons été ici auparavant. _we've been here before. Quelque chose a eu lieu. Something happened. Vous êtes en lieu sûr. You are in a safe place. Où se trouve la gare? Where's the train station? Ça ne compte pas. It just doesn't count. Compte de 1 à 10. Count from 1 to 10. Il compte vite. He counts fast. Je compte sur ton aide. I expect your help. Cela devrait être possible. That should be possible. Ensemble, tout est possible. Together, anything is possible. Je fais tout mon possible. I'm doing everything I can. Viens aussi vite que possible. Come as soon as possible. Merci pour le verre. Thanks for the drink. Nous devrions boire un verre. We should have a drink. Où est ton verre? Where's your drink? Ceci est mon vieux vélo. This is my old bike. Elle a un vélo. she has a bike. il a trouvé mon vélo. he found my bicycle. je dois faire du vélo. i must ride a bicycle. le vélo est à moi. the bike's mine. je suis à ton côté. i'm by your side. laissez ce mot de côté. leave out this word. Nous sommes du même côté. We are on the same side. Veuillez vous mettre de côté. Please step aside. Fais mieux la prochaine fois. Do a better job next time. Ça sera bientôt parti. Soon it will be gone. Il est parti en vélo. He went by bicycle. Il est parti tôt. He left early. Je suis parti au matin. I left in the morning. Notre chien est parti. Our dog has gone away. Elles peuvent partir demain. They may leave tomorrow. Ils peuvent tous conduire. They all can drive. Ne compte pas dessus. Don't count on it. Prends celui que tu aimes. Take whichever one you like. Elle est plutôt bonne. She's rather good. Il est plutôt beau. He's kind of handsome. Je suis plutôt occupé. I'm pretty busy. Plutôt lui que moi. Better him than me. Votre père est plutôt grand. Your father is quite tall. Elle est mon genre. She's my type. Je connais ton genre. I know your type. Il joue avec mon chat. He's playing with my cat. Je ne joue pas. I don't gamble. Personne ne joue. No one's gambling. Elle aime le vin. She likes wine. Je guste le vin. I drank the wine. Nous avons du vin. We have wine. Nous étions seulement amis. We were just friends. Nous étions tous heureux. We all felt happy. En quoi ça vous regarde How does this concern you La famille regarde un film. The family is watching a movie together. Regarde ce beau garçon. Look at that good looking boy. Regarde de plus près. Take a closer look. Regarde où tu vas. Look where you are going. Ce sont les leurs. This is theirs. Nous avons de la place. We have room. Tout est en place. Everything is said. Elles ont de la visite. They have company. Je voudrais te rendre visite. I would like to visit you. Personne ne visite mon pays. Nobody visits my country. Cela reste un gros problème. That remains a big problem. Ils sont très gros. They are very big. Nos enfants sont gros. Our kids are fat. Regarde ce gros chien. Look at that big dog. Ton chat est gros. Your cat is fat. Cela ne pourrait pas arriver. That couldn't happen. Il devrait arriver. He should come. Le bus va bientôt arriver. The bus will come soon. On espère arriver à temps. We hope to arrive on time. Vous pouvez y arriver. You can make it. Elle a 5 ans. She is 5 years old. Elles sont 5 en tout. They are 5 in all. Il est 5 heures. It's 5 o'clock. Veuillez attendre pendant 5 minutes. Please wait for 5 minutes. Regarde par la fenêtre. Look out of the window. Nous avons fait une affaire. We made a bargain. Il semble penser cela. He seems to think so. Elles ont toutes très faim. They are all very hungry. Le chien doit avoir faim. The dog must be hungry. Mon chat a faim. My cat is hungry. Nous avons toujours faim. We're always hungry. Je vais le rencontrer demain. I'll meet him tomorrow. Je veux rencontrer le professeur. I want to meet the teacher. Je voudrais la rencontrer. I'd like to see her. Merci de venir me rencontrer. Thank you for coming to meet me. Nous pouvons nous rencontrer. We can meet. Il nous faut un plan. We need a plan. Où est le plan? Where's the map? Quel est le plan, maintenant? What's the plan now? Personne ne pouvait nous voir. No one could see us. Elle l'a rencontré ce matin. She met him this morning. Elle adore chanter. She loves singing. Elle sait fort bien chanter. She can sing very well. Il adore chanter. He loves singing. On nous fait chanter. We are being blackmailed. Tout le monde voulait chanter. Everyone wanted to sing. Aime ton prochain. Love your neighbors. Je pourrais être le prochain. I could be next. Je voulais payer. I wanted to pay. Nous pouvons payer. We can pay. Vous allez payer pour ceci. You're going to pay for this. Elle a fait ses devoirs. She has done her homework. Faites tes devoirs. Do your homework. Faites vos devoirs maintenant. Do your homework now. Je suis fatigué des devoirs. I am tired of homework. Nous avons des devoirs. We have homework. Ce fut ton choix. It was your own choice. Faites votre choix. Make up your mind. Je fais le bon choix. I'm doing the right thing. Les gens ont des choix. People have choices. Nous devons faire un choix. We have to make a choice. Elle m'a surpris. She surprised me. Je me suis surpris. I surprised myself. Ne soyez pas surpris. Don't look surprised. Nous étions vraiment surpris. We were truly surprised. Personne ne devrait être surpris. No one should be surprised. Je peux utiliser ton téléphone? Can I use your phone? Vous pouvez utiliser mon vélo. You can use my bicycle. Allons manger dehors. Let's go out to eat. Il fait froid, ici dehors. It's cold out here. Le chien doit rester dehors. The dog must stay outside. Reste en dehors de ça. Stay out of this. Va attendre dehors. Go wait outside. Ça sera très très chaud. It will be very very hot. Il fait plutôt chaud. It's pretty hot. Le café est chaud. The coffee is hot. Nous avons chaud. We're hot. Nous sommes nouvelles en ville. We're new in town. On l'a vu aux nouvelles. We saw it on the news. Je devrais appeler un médecin. I should call a doctor. Nous devrions appeler la police. We should call the police. Tu aurais pu appeler. You could have called. Je me sens en sécurité. I feel safe. Tu serais en sécurité là. You would be safe there. Elle lui rappelle sa mère. She reminds him of his mother. Je me rappelle cet endroit. I remember this place. Je te rappelle plus tard. I'll call you back later. Ne me rappelle plus jamais. Don't ever call me again. Ça semble très important. That sounds very important. Je suis important. I'm important. Lire des livres est important. Reading books is important. Tu es important. You are important. Mon frère est sans emploi. My brother is out of work. Nous sommes sans emploi. We're unemployed. Quel est votre emploi? What is your profession? Trouve un emploi. Get a job. Elle est occupée depuis hier. She has been busy since yesterday. Je serai occupée demain. I'll be busy tomorrow. Tu es fort occupé. You're very busy. Vous avez été occupé, non? You've been busy, haven't you? Faites vos devoirs immédiatement. Do your homework right away. Il est immédiatement parti. He left immediately. Je vais faire ça immédiatement. I'll do that immediately. Nous devons immédiatement arrêter. We have to stop now. Vous devriez partir immédiatement. You should leave immediately. Allez chercher votre mère. Get your mother. Allons nous chercher un verre. Let's get a drink. Je viens te chercher. I'm coming to pick you up. Va me chercher du vin. Go and get me some wine. Viens le chercher. Come get it. Ça devrait aller pour eux. They should be fine. Eux peuvent partir demain. They may leave tomorrow. Je pense souvent à eux. I think about them often. Le chien est à eux. The dog is theirs. Ne compte pas sur eux. Don't count on them. Elle est toujours à fumer. She is always smoking. Je ne peux pas fumer. I can't smoke. Tu devrais moins fumer. You should smoke less. Vous devriez arrêter de fumer. You should quit smoking. Rien ne se produit. Nothing is happening. Cette table est propre. This table is clean. Faites votre propre travail. Do your own job. Il a sa propre voiture. He has his own car. Je veux ma propre chambre. I want to have my own room. Elle a décidé de partir. She decided to go. Merci de répondre au téléphone. Please answer the phone. Nous allons répondre. We'll respond. Ils étaient trop nombreux. There were too many of them. Tu as de nombreux livres. You have a lot of books. Elle semble avoir été riche. She appears to have been rich. Il voulait être riche. He wanted to be rich. Dis toujours la vérité. Always tell the truth. En vérité, tu as raison. Actually, you're right.